NCA Banque et Assurance et la BAO Côte d'Ivoire vous proposent Archives d'Afrique. Les Archives d'Afrique, Alain Foucault. Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme. Nous savons garder la confiance des hommes de France, non seulement par notre gentillesse et la sincérité de notre amitié, mais par notre sérieux, par notre stabilité politique et par notre courage quotidien au travail. Nous pouvons, avec eux, croyez-moi, réaliser de très grandes choses et rattraper notre retard. Personnages les plus controversés de l'histoire contemporaine du Congo-Brazzaville. L'abbé Fulbert Youlou, le premier président du Congo indépendant, fait partie de ces personnages qui ont marqué durablement l'histoire de leur pays par leur prise de position inhabituelle et leur style qui tranche singulièrement avec celui auquel l'on était habitué dans ces années qui ont précédé les indépendances en Afrique noire. Près d'une cinquantaine d'années après son départ du pouvoir, ses choix, ses positions continuent de susciter de vifs débats au Congo. Archives d'Afrique a décidé de lui consacrer une série de 3 semaines. Le scrutin va donc être annoncé. Nous pouvons déjà dire le résultat. Abbé Youlou Fulbert, 23 voix. Monsieur Casaban, 14 voix. Donc voici le scrutin. L'abbé Youlou Fulbert est élu maire par 23 voix sur 37 votants. Fulbert est élu, il me semble, à la majorité absolue. Ceci paraît évident. Premier maire noir de la ville de Brazzaville, le premier élu au suffrage universel direct. Rien a priori pourtant ne prédisposait l'abbé Fulbert Youlou, le prêtre défroqué, exilé dans une petite mission de Brousse à Mindouli, à devenir le premier personnage de la ville de Brazzaville, la capitale de l'Afrique équatoriale française. Ville symbole pour le général de Gaulle. Parcours atypique, celui de ce jeune Larry qui naît le 9 juin 1917 à Madibou, dans le district du Poule. Il est le cadet, le dernier d'une famille de 3 garçons. Youlou va prendre le prénom de Fulbert à son baptême. Il a 9 ans à ce moment-là. En 1929, il entre au petit séminaire de Brazzaville où il va très vite se faire remarquer par ses professeurs pour son intelligence et sa vivacité d'esprit. Il est donc envoyé à Kono au Cameroun pour terminer ses études. Dans la foulée, il intègre le grand séminaire de Yaoundé où il semble montrer de grandes capacités en philosophie. C'est dans cette institution qu'il va faire la connaissance de l'abbé Barthélémy Bouganda qui deviendra plus tard le premier ministre de la Centrafrique et président du Conseil de l'Afrique équatoriale française. Après le grand séminaire de Yaoundé, Fulbert Youlou est de retour au pays où il enseigne au séminaire de Mbamou. Mais il repart un court moment à Libreville pour terminer ses études de théologie. Il finira son dernier cycle à Brazzaville. Le 9 juin 1946, Fulbert Youlou est ordonné prêtre et affecté à la paroisse Saint-François de Brazzaville, où, en raison de son hyperactivité, on lui confie la direction de diverses organisations de jeunesse, d'activités sportives et d'œuvres catholiques. Il est également en charge de l'aumônerie de l'hôpital général et de la prison. S'il a embrassé l'Église, l'abbé Fulbert Youlou est dans le même temps très très intéressé par la chose politique. C'est justement parce qu'il a noté cet attrait que son protecteur, son mentor,
le père Charles Lecomte va l'inciter à présenter sa candidature au sein du Collège africain aux élections territoriales de 1947 dans la circonscription du Pôle. La première tentative est un cuisant échec. La leçon qu'il en tire est simple. Il ne doit plus se montrer trop pro-européen, trop pro-français. C'est parce qu'il a été ouvertement soutenu par l'administration et l'Église catholique qu'il a été rejeté. C'est de là que va naître son côté résistant africain. L'abbé Fulbert Youlou se présente désormais comme un défenseur des intérêts des indigènes, comme on appelait les Africains de la colonie à cette époque. Une démarche, une stratégie qui n'est pas vraiment du goût du clergé qu'il a désormais dans son viseur. Il n'attendra pas longtemps avant qu'il ne commette la faute espérée, celle qui va leur permettre de le confondre. Le jeune prêtre est surpris en flagrant délit d'adultère. Voici ce qu'en disait un de ses plus proches collaborateurs, quelqu'un qu'il a bien connu, Simon-Pierre Kikungangote. Le problème, c'est les curés. On le trouvait qu'il était tout le temps trop chez les femmes, à Congo, par ici, par là. Et l'évêque n'admettait pas que l'abbé Youlou se comporte ainsi avec les jeunes, avec tout le monde. Il voulait en quelque sorte l'éloigner de Brazzaville. Et il n'a pas été le seul à subir ce sort-là, puisque j'ai eu un cousin dont vous avez entendu parler, qui a été assassiné, l'abbé Anselme Massouémé. Lui aussi, à Mosenzo, a eu des difficultés avec le curé, Monseigneur Forêt, jusqu'à quitter les ordres. Fulbert Youlou est aussitôt frappé par une mesure disciplinaire. Il est affecté le 20 novembre 1954 dans une mission de brousse à Mindouli. Il va y occuper les fonctions de directeur de l'école catholique. Il est donc éloigné de Brazzaville où il avait commencé à se faire un nom. Saint-François, l'abbé Youlou, le prêtre exilé dans la brousse, fait la connaissance d'Alphonse Massamba Déba, le directeur de l'école primaire locale, qui est également un grand militant du PPC, le parti de Félix Tshikaya. Il faut dire que Fulbert Youlou, avant de quitter Saint-François de Brazzaville, a réussi pendant son séjour à rassembler autour de lui les différentes fractions de son ethnie, les Laris. Il est devenu en quelque sorte leur leader. Et les membres de sa tribu sont en grande majorité des adeptes du matsouanisme. Un mouvement dont le leader est un certain André Matsoua, mort en prison en 1942, qui symbolisait en fait la lutte contre le colonialisme. Monsieur Simon-Pierre Kikungangote, vous qui avez vécu aux côtés de Fulbert Youlou, cette ferveur, ce culte autour d'André Matsoua, qui était-il en réalité? Mais Matsoua André, c'est quand même notre premier résistant, qu'on le veuille ou non, à sa façon. À cette époque-là, il a créé, Matsoua André a créé une association qui était à l'avant-garde. L'association que Matsoua André a créée, hein, on l'a prénommée Amicale des originaires de l'AF. Pourquoi on lui trouve des pratiques mystiques, des choses pas très claires? Eh bien, écoutez, vous savez, en Afrique, tout le monde, parce que Matsoua André a résisté, on l'a arrêté, il a fui de la prison, il s'est retrouvé au Tchad, on l'a ramené, il s'est retrouvé ici en France. Matsoua André, c'est quelqu'un qui a travaillé ici, c'est un ancien douanier. Il faut voir que le parcours de Matsoua André, pour cette époque-là, il faut l'admirer. Alors, pour l'Africain, le gars qui résiste et qui se retrouve, même s'il se va de la prison, pour eux, c'est qu'il a un pouvoir mystique. Mais dans la réalité, il n'y avait aucune pratique mystique dans ce qu'il faisait ou dans ce qui a suivi dans cette association? Écoutez, je connais, on m'a dit, je n'ai jamais rencontré Matsoua André. Mais ceux qui l'ont rencontré, j'ai eu un oncle qui a travaillé comme infirmier à Mayama, où Matsoua a été tué. J'ai eu aussi quelqu'un, des amis qui ont connu Matsoua. Je sais que Matsoua était franc-maçon. Vous entendez? Il était franc-maçon, mais il est mort à Kinkala. C'est l'une des victimes du colonialisme. Voici ce qu'en disait Antoine Letambe Ombili, l'un des proches collaborateurs de Fulbert Youlou, que j'ai rencontré il y a quelques années dans le cadre de la préparation de cette émission. C'était quelques temps avant sa mort. Quand vous parlez d'André Matsoua, il faut que vous mettiez en tête qu'en France, André Matsoua était le président des originaires de la EF. Quand un Tchadien, un Oubangien, aujourd'hui centrafricain,
un Gabonais et un Camerounais, ou même de l'ancien Congo belge, quand ils allaient en France, ben, ils avaient pour auberge la maison d'André Grenat-Mathioua. Donc André Grenat-Mathioua n'était pas un tribaliste, il voyait tout sous l'angle de l'intérêt africain. Mais qu'est-ce qui faisait donc que les Occidentaux, le colon de l'époque, le présentait comme tel? Qu'est-ce qui faisait que tout d'un coup, comme ça, il était l'ennemi à abattre, à qui on avait collé une étiquette de tribaliste? Eh bien, tous les Africains qui s'étaient réunis en France pour sauver les intérêts de leurs frères qui vivaient sous la période de l'indigénat, qui étaient des taillables et corvéables à merci, tels les jacobins de l'âge médiéval européen, eh bien, ils étaient les bêtes à abattre. Et ils prenaient conscience de cela. À telle enseigne que, mais les Moumiers, Félix, Oumniobé, tous ces gens, mais ils sont morts, martyrs, parce que ils étaient en Europe, ils ont vu qu'il le fallait à tout prix sauver les meubles qui se brûlaient. Mais Mathioua va créer l'amicale congolaise. Quel était son but? Il faut collecter des sommes d'argent pour que tous les enfants congolais, qu'ils soient du nord ou du sud, de l'est ou de l'ouest, après le certificat d'études, puissent obtenir de la part des Congolais eux-mêmes des bourses afin de poursuivre leurs études en France, car quand on posera un jour le principe de l'autodétermination des peuples à disposer d'eux-mêmes, nous aurons sur place des cadres compétents et valables. Mais c'est un peu cette politique qui est aujourd'hui préconisée, par exemple, par nos amis Bamileke au Cameroun. C'est très important. Et c'est cette initiative qui avait gagné du terrain. Voilà pourquoi Mathioua, c'est un grand homme politique. En tout cas, l'abbé Fulbert Youlou va très rapidement se présenter comme un disciple d'André Mathioua, ce qui lui permet de gagner la confiance d'un certain nombre de fidèles du défunt nationaliste. Le champ de ses partisans s'est élargi également à l'ensemble de l'ethnie Congo qui le considère comme la réincarnation de Jésus Mathioua. Une idée qui est bien sûr facilitée par le fait qu'il est curé. Il est désormais considéré comme le symbole même de l'opposition au colonialisme. Simon-Pierre Kikungangot. Si le président Fulbert Youlou a exploité l'influence ou le nom de Mathioua, c'est normal, puisqu'ils étaient d'une même région. Et d'ailleurs, au cours de sa campagne électorale, de ce machin, il a fait appel, ben, il a maltraité quand même les mathioanistes, mais il l'a exploité parce que Mathioua avait une réputation, une renommée et une popularité dans le pool. Alors, en se réclamant de lui, le président Youlou a cru que tous les mathioanistes viendraient à lui. Un nombre impressionnant de mythes, d'histoires mystiques se construit autour de la personne de l'abbé Fulbert Youlou. L'exil, l'ascension ecclésiastique, le confortent finalement auprès des siens dont il est désormais le leader. C'est fort donc de ce soutien qu'il décide, malgré l'opposition de son évêque, Mgr Bernard, de se présenter aux élections législatives de janvier 1956. Nous sommes en octobre 1955 lorsqu'il prend cette décision. Une nouvelle transgression des règles du clergé qui va lui valoir de nouvelles sanctions plus sévères cette fois-ci, puisqu'il n'a plus le droit de porter une soutane, ni de célébrer de culte. Les Congos, les membres de son ethnie, vont alors décider de lui procurer une rente mensuelle, une voiture et un chauffeur pour le mettre à l'abri du besoin. Maintenant, il peut se lancer dans la campagne qui s'annonce. Une campagne d'une rare violence physique et verbale. Simon-Pierre Kikungangot. Nous étions tous les deux candidats, et lui il était candidat, moi aussi je l'étais. Le 12 décembre 1955, des tracts des partisans de Youlou appellent à fouetter les leaders mathioanistes qui ne sont pas ralliés à l'abbé. L'agitation politique enfle. Simon-Pierre Kikungangot, qui était lui-même candidat, raconte. Le 2 janvier 1956, il y a eu des événements à Bakongo, le quartier. Quand on entrait dans les urnes,
on devait sortir avec les bulletins de tous les autres, sauf le Ngandou, le Caïman, machin. Et c'est les premiers événements du Congo. Le Ngandou représentait qui? Le Caïman. Un Caïman renversé, c'est la force. Oui, mais. C'est l'emblème du président Youlou. Donc il fallait sortir sans l'emblème du président Youlou. Sans l'emblème, avec tous les bulletins, sauf le bulletin du président Youlou, pour prouver que le type, dans l'urne, il a réellement voté pour le président Youlou. C'était illégal. C'était illégal, mais c'est sa façon, c'est des méthodes qu'il a utilisées. C'est pour la première fois d'ailleurs que ça s'est passé. Mais il y a eu aussi dans certains secteurs les gens qui usaient comme ça. Même les administrateurs des colonies, quand ils n'aimaient pas un candidat, ils forçaient les Africains de voter où les on les appelait les indigènes. Donc les électeurs du deuxième collège, ils les obligeaient de voter pour leur candidat. En tout cas, cette journée d'élection législative du 2 janvier 1956 va être celle de la violence dans le quartier Bakongo, malgré l'intervention musclée des forces de l'armée pour protéger les bureaux. Le calme ne reviendra dans Brazzaville que 2 jours plus tard. On dénombre alors 4 morts, plusieurs dizaines de blessés, une centaine de maisons brûlées. C'est d'ailleurs un appel à la radio de Jacques Opango et de son adversaire Fulbert Youlou qui vont ramener la paix. Au bout d'une semaine, c'est la proclamation des résultats. Simon-Pierre Kikungangote. Il a été battu, mais il a été honorablement battu puisqu'il est sorti 3e entre le député Félix Tshikaya, Jacques Opango, et lui, Fulbert Youlou, il sortait 3e, moi j'étais 4e, et Stéphane Tshitshele, 5e. Fulbert Youlou, qui n'est pas d'accord avec ses résultats, qui est persuadé qu'il a gagné, va recevoir une somme collectée par ses partisans pour se rendre à Paris pour dénoncer les fraudes qui ont entaché ce scrutin. Peine perdue, puisqu'à Paris, il n'est pas écouté. Après sa défaite aux législatives, Fulbert Youlou, qui a désormais une réelle assise et qui est maintenant tout à la politique, crée son parti, l'Union démocratique de défense des intérêts africains, l'UDDIA. L'emblème du nouveau parti est le caïman, le Ngando, un animal très craint dont l'image est le plus souvent associée à la sorcellerie. Ce parti, dont l'assise politique est surtout dans le Poule, le Niari et le Bouenza, est surtout anticommuniste, d'obédience chrétienne libérale. Antoine de Tambay-Ombili. Il y avait 3 grands partis. Il y avait le mouvement socialiste africain de Jacques Opango. Il y avait le parti progressiste congolais de Jean-Félix Tshikaya. Les archives d'Afrique. Pour la première fois depuis 1912, pour les élections municipales qui vont avoir lieu en novembre, les listes sont présentées au collège unique, africains et européens confondus. C'est la première grande victoire de son parti, l'UDDIA, qui remporte un franc succès en enlevant Brazzaville, Pointe-Noire et Dolisy. Monsieur Gazabon, le scrutin va donc être annoncé. Nous pouvons déjà dire. Le résultat, avec une liste humaine, 23 voix. Monsieur Casaban, 14 voix. Donc voici le scrutin. L'abbé Youlou Fulbert est élu maire par 23 voix sur 37 votants. Fulbert est élu, il me semble, à la majorité absolue. Ceci paraît évident. Fulbert Youlou est ainsi élu maire de Brazzaville devant son rival Jacques Opango. Antoine de Tambay-Ombili. Depuis 1912, lors de la création de la commune mixte de Brazzaville, c'était toujours des administrateurs maires français. Et le premier maire élu en novembre 1956 sera l'abbé Fulbert Youlou. L'abbé Fulbert Youlou qui reçoit à ce poste le général de Gaulle en visite à Brazzaville. La seconde rencontre du général de Brazzaville, du général de Gaulle et de Brazzaville. Je la salue comme le roi de notre nouveau destin. C'est lui qui pérennisera par une volonté librement exprimée
notre attachement à la France dans un statut que nous choisirons fédéral. Brazzaville, refuge de notre honneur et de notre indépendance, avez-vous dit. C'est aussi ce que nous croyons. Et c'est dans l'indépendance de notre pensée et de notre choix qu'il nous plaira de construire avec vous une communauté étroite, née de la générosité de Brazza et marquée de votre empreinte. Mon général, il n'est pas de plus grand honneur pour moi que de vous saluer en un tel jour et de vous remettre les clés de la ville. Je remercie Potopoto et Brazzaville du magnifique accueil qu'ils veulent bien me faire. Je remercie Monsieur le maire de Potopoto, de Brazzaville, des paroles si émouvantes, si éloquentes qu'il a prononcées à mon égard et à l'égard de la France. Nous savons tous que nous commençons une période nouvelle dans notre destin, dans le destin franco-africain. C'est la période de la communauté franco-africaine, établie par le libre consentement, la libre détermination de tous ceux qui vont en faire partie, et en particulier, j'en suis sûr, du Congo, de l'Oubangui, du Tchad et du Gabon. En vous remerciant de vos sentiments et de la chaleur avec laquelle vous les exprimez, je crie avec vous tous, vive Brazzaville! Vive le Congo! Vive la France! Juin 1956, la loi cadre est adoptée en France. On l'appelle ainsi parce qu'elle habilite le gouvernement à statuer par décret dans un domaine qui était réservé en principe à la loi. Elle instaure dans les territoires d'outre-mer des conseils de gouvernement élus au suffrage universel, ce qui permet au pouvoir exécutif local d'être plus autonome vis-à-vis de la métropole, même si le mode de scrutin reste défavorable aux locaux. Elle crée aussi le collège unique. C'est pour faire campagne et mieux expliciter cette loi que Gaston Defferre, son initiateur, fait le tour d'un certain nombre de territoires. Le barrage et l'usine du Joué, la cité de l'Organisation mondiale de la santé, le spectacle impressionnant des rapides du Congo, la station de pisciculture de la Djoumouna, le centre de réadaptation des chômeurs, le centre sportif fédéral, le lycée, les monuments Brazza et Boué, le port fluvial Sainte-Anne du Congo. Telles sont les étapes de la visite qu'a faite de Brazzaville le ministre de la France d'Outre-mer, avant de se rendre aux deux réceptions qu'il attendait en fin de matinée à la mairie et à la chambre de commerce. À 11h30 donc, le ministre était accueilli à la mairie par M. l'abbé Fulbert Youlou, premier maire élu de Brazzaville. Il y eut échange d'allocutions. Notre maire devait dire, entre autres, et non sans humour, au sujet des réformes intervenues ou à intervenir dans l'outre-mer français. Comme toujours dans la vie, il est facile de s'entendre sur le principe. Les difficultés surgissent dans leur application. Vous devez convaincre vos propres compatriotes, formés depuis plus d'un siècle au moule de la centralisation, que la conduite des peuples séparés par plus de 6000 km de distance ne peut plus se faire à l'image des chevaux attelés au même timon dès lors qu'apparaissent les premiers soupçons d'une conscience nationale. À ces remarques de l'abbé Fulbert Youlou, M. Defferre a répondu: Monsieur le maire, vous vous êtes adressé à moi
en tant que maire élu de Brazzaville. C'est en effet à la suite d'une loi votée par le Parlement français que, au mois de novembre dernier, ont eu lieu des élections comme nous avons des élections dans la métropole. Vous êtes le maire de Brazzaville comme je suis le maire de Marseille. Vous avez autant de droits, autant de libertés à Brazzaville que j'en ai à Marseille. Et je tenais, en vous saluant, à souligner cette accession importante, ce pas important fait en avant dans la voie des libertés communales. Dans le cadre justement de l'entrée en vigueur de cette loi en 1957, se tiennent des élections territoriales visant à désigner un dirigeant local. Malgré ses derniers succès, le parti de Fulbert Youlou, l'UDDIA, connaît quelques dissensions en interne. C'est justement vous, monsieur Simon-Pierre Kikungangot, qui décidez de quitter le mouvement pour fonder votre propre parti, le Groupement pour le Progrès Économique et Social du Moyen Congo, GPES. Vous allez drainer avec vous, dans cette scission, une bonne partie de l'électorat du Niari, dont vous êtes originaire, et faire alliance avec le parti progressiste de Tshikaya et le mouvement socialiste de Jacques Opango. Une alliance qui va fragiliser le mouvement du maire de Brazzaville, ville qui avance vers ses scrutins en engageant des négociations avec ses adversaires habituels. Suite de la série consacrée à ce personnage haut en couleur que Dame de Gaulle détestait de tout son cœur dans un instant. NCA Banque et Assurance et la BIAO Côte d'Ivoire vous ont proposé Archives d'Afrique. NCA Banque et Assurance et la BIAO Côte d'Ivoire vous proposent Archives d'Afrique. Les Archives d'Afrique. Bonjour à tous et bienvenue si vous nous rejoignez seulement maintenant dans la seconde partie de The Magazine consacrée à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme. Allô, je suis particulièrement heureux de vous adresser mon salut fraternel à l'occasion de l'inauguration de la liaison téléphonique directe Brazzaville-Sananarive, liaison qui rapproche davantage dans la réalité nos deux pays aux idéaux communs et qui, toujours fidèles à leur destin, se sont toujours retrouvés côte à côte dans le concert international. Je vous demande de transmettre également au gouvernement et au peuple malgache les compliments du gouvernement et du peuple congolais. Alors, c'est terminé, je vous ai dit, très haute considération. Du clergé catholique pour son amour pour les femmes et pour n'avoir pas respecté l'interdiction faite par son évêque de se porter candidat à une élection politique, l'abbé Fulbert Youlou qui a quitté l'église et qui est devenu l'icône pour une bonne partie de la population de son ethnie Congo, a réussi à remporter la première élection municipale au suffrage universel qui se tient en 1956. Il est désormais le premier maire noir de la ville de Brazzaville. Mon général, il n'est pas de plus grand honneur pour moi que de vous saluer en un tel jour et de vous remettre les clés de la ville. De tout mon cœur, je remercie Poto Poto et Brazzaville du magnifique accueil qu'ils veulent bien me faire. Je remercie Monsieur le maire de Poteau Poteau, de Brazzaville, des paroles si émouvantes, si éloquentes, qu'il a prononcées à mon égard et à l'égard de la France. Après le succès électoral qui fait de lui l'un des personnages les plus importants du Congo, Fulbert Youlou doit maintenant, après l'adoption de la loi cadre qui crée dans les territoires d'outre-mer des conseils de gouvernement élus au suffrage universel, se lancer dans une autre campagne, territoriale celle-là. Il s'agit de désigner un dirigeant local. Un scrutin qui s'annonce un peu plus compliqué pour Fulbert Youlou, puisqu'en interne, au sein de son propre parti, règne une forte tension. Malgré son succès au municipal, le vice-président de l'UDDIA, Simon Pierre Kikungangot, a décidé de quitter le mouvement pour créer le sien.
le Groupement pour le Progrès Économique et Social du Moyen Congo, le GPES. Il emporte avec lui l'électorat du Nyari et c'est lié aux principaux concurrents de Fulbert Yulu qui ont décidé de se mettre ensemble. Le PPC de Félix Tshisekedi et le MSA d'Opango. Les élections qui approchent s'annoncent difficiles pour le parti de Fulbert Yulu. Malgré le soutien des colons du pays réunis dans l'Union du Moyen Congo, Yulu ne parvient pas à obtenir la majorité. Il est second avec 22 sièges contre 23 pour la coalition menée par Opango. Le score est serré. Et au bout d'après-négociation, un gouvernement de coalition composé de partis d'Opango et celui de Yulu est finalement formé, avec 5 portefeuilles ministériels attribués à chacun. La vice-présidence revient à Opango. L'abbé Fulbert Yulu est ministre de l'Agriculture, un poste stratégique puisqu'il lui permet d'effectuer de nombreuses tournées à l'intérieur, auprès des populations villageoises. Monsieur Simon-Pierre Kikungangol, vous étiez dans la coalition qui a véritablement remporté les élections. On peut même dire que c'est votre défection, votre départ, qui a fait perdre les élections à Fulbert Yulu. Pourtant, il a su retourner la situation. Pas la majorité à l'Assemblée. Bon, comme tout politicien, il débauche un député qui s'appelait Yambo, qui était de ma liste. Donc, il a acheté en quelque sorte, il s'est retrouvé avec la majorité. Donc, il renverse le gouvernement le 28 novembre 1958 à Brazzaville. Il y a eu quelques échauffourées. À partir de ce moment-là, il est devenu Premier ministre. Avril 1958, le général de Gaulle en campagne pour le référendum sur la communauté arrive à Brazzaville, seconde étape de sa tournée africaine. Il vient pour convaincre les populations de l'AEF de voter oui au nouveau statut qu'il leur propose. Une communauté qui permettra à chacun de ses territoires d'exercer toutes les prérogatives de l'autonomie interne avec l'aide de la France, bien sûr. En vérité, jamais la France ne fut plus fière de l'œuvre africaine qu'elle a accomplie. Et elle est prête aujourd'hui à la poursuivre, quoique, certainement, dans des conditions tout à fait nouvelles qui sont imposées par l'évolution des peuples et par le mouvement général du monde. Quelles conditions ? En voici deux. La première de ces conditions, c'est qu'il est naturel et légitime que les peuples africains accèdent à ce degré politique où ils auront la responsabilité entière de leurs affaires intérieures, où il leur appartiendra d'en décider eux-mêmes, bref, de se gouverner eux-mêmes. Et le deuxième principe, c'est cette règle qui s'impose à tous les esprits de bon sens, que dans le monde comme il est nécessaire que s'établissent de grands ensembles économiques, politiques, culturels et aux besoins des grands ensembles de défense. C'est le deuxième principe que le gouvernement de la République, sous ma direction, met à la base des propositions qu'il va faire dans peu de temps au suffrage de tous les citoyens des territoires d'Afrique et des citoyens de la métropole. Comme Barthélemy Bouganda, le président du Conseil de l'Afrique équatoriale française, l'abbé Fulbert Yulu, comme ses adversaires politiques qui étaient tous opposés à cette idée de communauté et qui souhaitaient l'indépendance tout de suite, va faire campagne pour le oui. Le 28 septembre 1958, c'est à 99,3% des suffrages que la communauté est adoptée au Congo. Au mois de novembre de la même année, l'Assemblée territoriale qui s'est réunie pour doter le pays d'institutions tourne au chaos. Les députés de l'UDDIA de Fulbert Yulu et ceux du MSA d'Opango ne parviennent pas à s'entendre sur le contenu de la Constitution. Les insultes fusent et finalement, les socialistes d'Opango décident de quitter la salle en signe de protestation, laissant la place libre à la majorité de l'UDDIA de Fulbert Yulu. Une erreur que va exploiter le maire de Brazzaville puisqu'il profite de cette absence pour faire voter à son profit
avec la complicité du président de l'Assemblée, Christian Gel, de nouvelles lois constitutionnelles. À l'unanimité des 23 députés, le conseil de gouvernement d'Opango est remplacé par un gouvernement provisoire dont il prend la présidence. L'Assemblée territoriale devient quant à elle législative et son siège est transféré à Brazzaville, puisqu'à Pointe-Noire, la population est hostile au nouveau gouvernement. Le lendemain, les députés du MSA de Jacques Opango se réunissent seuls à l'Assemblée de Pointe-Noire pour déclarer illégales les décisions prises la veille par ceux de Youlou. C'est un échec. On entre alors dans une période de troubles dans ce qui est devenu l'ex-capitale du Congo, Pointe-Noire. 3 personnes sont tuées, on compte de nombreux blessés et des maisons brûlées. L'armée française intervient pour mettre fin à ces affrontements. Quelques jours plus tard, le 8 décembre 1958, Fulbert Youlou devient officiellement Premier ministre. Il va encore débaucher 2 députés du mouvement de Jacques Opango qui fait passer sa majorité de 23 à 25 sièges. Opango compte donc désormais sur les prochaines élections législatives prévues en principe pour mars 1959 pour reconquérir la majorité. Je dis en principe parce que ces élections ont été décidées par des accords passés en août 1958 avec Fulbert Youlou. Mais ce dernier refuse de les organiser. Après un second refus de le faire, les partisans du MSA-PPC du quartier Potopoto, à majorité Mbouchi, s'en prennent à ceux qu'ils considèrent comme les partisans de l'UDDIA de Fulbert Youlou. C'est l'étincelle qui met le feu aux poudres. Brazzaville s'embrase et les affrontements dérivent en une sanglante émeute tribale entre Mbouchi, groupe ethnique du Nord, et de Larry du Sud. La guerre civile est évitée de justesse le 20 février 1958. Ces violences marquent le début, la naissance d'une opposition géoethnique entre le Nord et le Sud. Antoine Letambe Ambili, l'ancien directeur du cabinet de Fulbert Youlou, témoin privilégié de l'histoire de cette époque, raconte. Le 17 février 1959, le MSA va tenir un meeting. Au cours de ce meeting, ils vont choisir une délégation qui devrait aller voir l'abbé Fulbert Youlou pour lui poser les questions suivantes. Yambo a été acheté par vous de l'UDDIA. Nous vous demandons soit de refaire les élections partielles au niveau de la région du Niari ou les élections générales. Dans la négative, eh bien, nous allons passer à l'action. Le président Fulbert Youlou leur répondra qu'il n'aura pas d'élection. Et quand ils sont revenus le soir au Barbouya, où tous les sympathisants et les militants les attendaient, ils ont dit qu'il n'y aura pas d'élection. Et ce même soir, les partisans du MSA, Mouvement Socialiste Africain et Jacques Opango, vont déclencher des émeutes et ils vont tuer 7 partisans de l'abbé Fulbert Youlou. Et c'est ça qui va déclencher cette première guerre, ces émeutes qui vont être très sanglantes. Mais il faut reconnaître que le pouvoir, la défense, l'armée, la police, la gendarmerie n'étaient pas entre les mains du Premier ministre, mais entre les mains de celui qui était le représentant du président de la communauté, qui est le président Charles de Gaulle. Et bien, c'était le haut commissaire qui aurait pu à temps endiguer ces émeutes. Ça n'a pas été fait. Ils attendront 5 jours pour faire venir des militaires du Bois. Et c'était trop tard. Et nous assistons à cette hécatombe de vie humaine qui vraiment n'était pas à notre honneur. Fulbert Youlou va faire arrêter et incarcérer Jacques Opango pour incitation à la violence. Il ne le relâchera que 5 mois plus tard, sans jugement. Entre-temps, il a conforté sa position et quasiment éliminé l'opposition parlementaire. C'est donc fort de ce succès politique qu'il s'envole pour Paris en janvier 1959 pour assister à la passation de pouvoir entre le président Coty et le général de Gaulle. Brazzaville et la République du Congo se réjouissent tout particulièrement de la journée historique du 8 janvier 1959. Brazzaville et la République du Congo ont vu naître le général de Gaulle à la vie politique. C'est à ce titre que le maire de Brazzaville que je suis et le premier ministre de la République du Congo est très heureux au nom de ce jeune État et en son nom personnel d'être venu à Paris pour participer aux grandes cérémonies
qui vont marquer la transmission des pouvoirs du président de la République française, M. Coty, au général de Gaulle, président de la Communauté et de la République française. De retour de Paris, Fulbert Youlou fait adopter le 20 février 1959 une constitution qui donne les pouvoirs étendus au Premier ministre. Au terme d'une stratégie politique progressive qui passe par un redécoupage des circonscriptions électorales et des débauchages dans les autres mouvements, il va remporter haut la main en juin 1959 la majorité écrasante au Parlement. Avec 58% des suffrages, il s'accapare 51 sièges à l'Assemblée contre 10 pour le MSA de Pango. Cette assemblée qui est devenue nationale va le reconduire dans ses fonctions de premier ministre. Le 21 novembre de la même année, il devient après élection le premier président de la République du Congo. La consécration, enfin, presque. À l'unanimité, vos élus m'ont ce matin investi de la charge de président de la République du Congo. Avec émotion et gravité, je veux ce soir, dans le premier message, premier président de la République du Congo, vous dire quel sens j'attache à cette nomination et quelles responsabilités nouvelles me sont ainsi données. J'affirme d'abord que vos élus ont pris leur décision convaincus de la nécessité pour ce pays d'unir tous ses enfants sans distinction de parti, d'origine ou de race. Nous avons tous au cœur l'amour de la liberté, la fierté nationale, la volonté de construire un Congo qui soit un modèle d'État africain. De tels sentiments doivent effacer les divergences ou les oppositions suscitées autrefois par des mobiles infiniment moins nobles et aujourd'hui dépassés. Mon devoir et donc de travailler de tout mon cœur à cette union indispensable à l'avenir du pays. Union à l'intérieur, mais aussi union et solidarité avec la France dans le cadre de la communauté. Est-il au monde, dans des territoires semblables aux nôtres, un pays de moins d'un million d'habitants qui ait reçu volontairement et généreusement d'une grande nation, les moyens d'instruire ses fils et de prévoir la mise en valeur de son sol pour enfin accéder d'un commun accord à l'entière dignité nationale. Tel a été notre sort. Comment alors ne pas rendre à la France l'affection et la confiance qu'elle nous a donnée? Si elle n'était pas inscrite dans nos cœurs, il faudrait les manifester par sagesse, de crainte que notre ingratitude n'incite pour l'avenir les autres nations à la méfiance envers nous. Et pourquoi, enfin, notre pays refuserait-il l'association fraternelle d'une communauté qui lui permet de s'exprimer parmi les plus grandes puissances ? Le nouveau président conforté, qui a considérablement affaibli son opposition, va désormais essayer de se tailler une place sur la scène internationale. Il s'inscrit à son tour dans la lutte pour l'unité africaine, qui dans la région est surtout portée par l'abbé Barthélemy Boganda, le président du conseil de l'AEF. Il est également pour la construction des grands ensembles régionaux. Sur ce point également, il semble en parfait accord avec Boganda, qui souhaite la création d'une grande nation d'Afrique latine. Si les formes diffèrent, les buts sont les mêmes. La Fédération du Mali a fait choix d'un drapeau et d'un gouvernement commun aux républiques du Sénégal et du Soudan. La République de Côte d'Ivoire s'associe au même instant, par des liens plus souples mais aussi efficaces, aux républiques de Haute-Volta et du Niger. Tandis que la République du Dahomey cherche sa voie dans l'une ou l'autre tendance et ne l'ayant pas nettement définie, voient ces structures mises en cause. Les républiques sœurs de l'ancienne AF ne doivent pas aller chacune leur chemin. L'heure est aux grands ensembles économiques. Et ce n'est pas dans le temps même où s'élabore le marché commun de l'Europe que nous allons détruire ou amoindrir celui qui existe déjà en Afrique. Dans un monde dont l'évolution est marquée par la formation des grands blocs monétaires et économiques, il serait paradoxal de s'orienter
vers l'isolement. Et ceux même qui pourraient, à première vue, estimer que la solitude est une position favorable, s'apercevront vite à la réflexion que leur intérêt bien compris va dans le sens d'une solidarité agissante. L'union fait la force. Ce vieil adage conserve toute sa valeur. Et nous avons tous à gagner à maintenir ou à bâtir cette union. Si sur le plan international, il se taille peu à peu une place, s'il essaie de se faire accepter de ses pairs et se montre ouvert en faveur d'une grande union, au Congo, Fulbert Hulot ne desserre pas l'étau. Ayant triomphé de ses adversaires sur le plan parlementaire, il est désormais décidé à mettre au pas les irréductibles du matsouanisme. Il veut également réduire au silence un certain nombre de politiques qui lui résiste. Je pense, Antoine Kikungangot, que vous faites partie de ceux qui vont payer cher leur résistance. Nous en parlerons dans la suite de cette série d'archives d'Afrique que nous consacrons à Fulbert Hulot. Nous écouterons bien sûr certains acteurs clés de l'histoire de ce personnage qui a durablement marqué l'histoire du Congo. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. Même heure, même fréquence pour la suite de cette série. NCA Banque et Assurance et la BAO Côte d'Ivoire vous ont proposé Archives d'Afrique.